J'ai fait ce que tu as demandé. Maintenant, où est mon savoir? Laisse-lui le temps d'infuser. Voilà. Un élixir pour te préparer l'esprit. Comment cela m'apportera-t-il l'hydromel? Cela ouvrira ton esprit aux secrets du monde. En attendant, parlons d'Asgard. Comment se portent vos défenses depuis la dernière attaque? Nous avons été affaiblis par traîtrise. Si nous n'avons pas le temps de rebâtir, nous risquons de succomber à une nouvelle attaque. Non, je ne voulais pas dire ça. Je me sens étrange. La griffe de chouette est parfaite pour délier les langues. Bien. Tu as dit que tu voulais l'hydromel. Mais à quel point? Qu'accepterais-tu de sacrifier pour te libérer des entraves du destin? Donnerais-tu ta langue, ta main, ta vue? Je donnerais volontiers tout cela, et plus encore. J'aimerais bien voir ça. Loki, quel est ce tour? J'ai sapé tes forces, Javi. Et si tes réponses me déplaisent, je te prendrai la vie. Tu pensais que je te laisserais en paix après ce que tu as fait à mon fils? Notre fils. Fenrir. Un nom que tu as déjà entendu, je crois. Oui. Lors du dernier combat, le loup Fenrir aura raison de moi. Maintenant que tu sais, et que tu ne peux plus me tromper, dis-moi, que comptes-tu faire de lui? Je veux sa mort. Mais c'est en vain. Je t'ai juré quelque chose, Loki, et je ne briserai pas ce serment. Je ne le tuerai pas. Fenrir demeurera prisonnier jusqu'au jour de la prophétie, où nous nous affronterons sur le champ de bataille, comme le veut le destin. Alors, nous t'entraverons jusqu'à ce jour, comme tu entends entraver notre fils. Œil pour œil. Je vois qu'elle t'a laissé en vie. Tu as dû faire quelque chose de bien. Laisse-moi t'aider à descendre de là. Pu me faire descendre doucement. Oui, si je m'étais soucié de ton confort. Alors pourquoi m'avoir fait descendre? Pour la même raison que ta présence au Jotunheim. Tu cherches l'hydromel, et je peux t'aider à le trouver. J'imagine que cela aura un prix? Je veux simplement y goûter. Le reste sera pour toi. Ça te va? Ai-je vraiment le choix? Bien sûr que non. Suttung et sa fille Gunnlod gardent l'hydromel dans les réserves de leur maison. En Utgard. Elle ne s'ouvre qu'à l'occasion de grands festins, lorsque Suttung partage le contenu de son cellier.
Et il ferait un bien mauvais hôte s'il n'offrait pas une fête à une personne de renom, telle que Avi d'Asgard. Tu es moins bête que je ne l'aurais cru. Pourquoi veux-tu l'hydromel ? Mes raisons ne te regardent en rien, comme je me moque des tiennes. Il te suffit de te le procurer. Je dois apporter un cadeau de valeur à Sutungre afin de recevoir un bon accueil. Cet idiot d'ivrogne d'Egir a récemment perdu son chaudron en pariant contre Sutungre, mais il a disparu sur le chemin d'Utgard. J'ai déjà le chaudron. Tu pourrais aussi apporter un présent à Gunlod. Il existe des trésors susceptibles de lui plaire chez Tymir, au bord du lac, près d'Utgard. Je vais garder cela en tête. Lorsque tu auras l'hydromel, rejoins-moi au puits de Mimir. Je te montrerai comment échapper à ton destin lors du Ragnarok.